pas trop tôt. Où sont les taux? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Ceci est une livre sur vous. Vous n'êtes pas en train de vous comprendre. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Seul et abandonné, Ethan Winters se réveille au beau milieu de nulle part. S'aventurant dans le sentier qui se présente, pour seule et unique compagnie, il peut compter sur une lampe torche pour l'éclairer dans cette nuit noire. Sur son chemin, des carcasses d'animaux morts se dressent, et il peut déceler le son inquiétant de bêtes féroces s'agitant autour de lui. Une ambiance pesante règne et Ethan ne peut pas faire demi-tour. It's just a local tale. Méfiez-vous, les apparences sont trompeuses, et dans Resident Evil, ne faites confiance à personne. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Après Resident Evil 7, l'aventure cauchemardesque continue pour notre héros sans visage, Ethan Winters, dans Resident Evil Village. J'espère que vous êtes prêts à frissonner, à trembler, car la sueur et le temps glacial des montagnes vont vous plonger dans les abysses ténébreuses d'un petit village isolé et inquiétant d'Europe de l'Est, au beau milieu de la neige et des lycans. Cette fois-ci, le 8ème opus touche au folklore et aux légendes issues de la civilisation européenne, créatures avides de sang, loups-garous et autres monstres, croyez-moi, vous ne saurez plus distinguer mythe, légende et réalité. Le cauchemar recommence pour Ethan Winters, qui se voit englouti dans les secrets horrifiques de ce petit village et qui va piéger notre protagoniste dans des tourments infernaux pour retrouver sa fille, Rosemary. Si vous aimez les vidéos histoires dans ce genre, dans ce style-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, nous sommes en route pour les 60 000 abonnés et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un peu plus de monde chaque jour sur ma chaîne. Posez votre petit pouce bleu en guise de soutien, prenez un grand verre d'eau, soufflez, respirez, nous sommes partis pour l'histoire terrifiante, envoûtante et trépidante de Resident Evil Village, 8ème chapitre. Bienvenue dans le village de Mère Miranda. Chris? Sorry, Ethan. Why? Août 1919. La grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier. Les morts s'accumulent, s'entassent depuis près d'un an. La pandémie est meurtrière et dévastatrice. Les malades s'empilent, les médecins sont dépassés, le monde est dans une détresse totale. De l'Inde jusqu'aux États-Unis, de l'Europe occidentale jusqu'à la Chine, le virus décime des populations entières et on estime que la grippe espagnole a tué près de 50 millions de personnes, soit 5% de l'humanité en ce début de siècle. Tout le monde est touché. La souffrance est partout, la maladie n'épargne personne. Alors que l'Europe sort de l'un des plus grands conflits meurtriers qu'ait connu notre monde, voilà qu'un nouveau fléau, dangereux, invisible et sournois, s'abat sur les humains et extermine des peuples, des familles, des hommes, des femmes et des enfants.
En Europe de l'Est, la jeune Eva, 10 ans, est touchée par la maladie et trouvera la mort dans son village natal, perdu dans les montagnes enneigées. Nous sommes en août 1919, Miranda, paysanne, mère de la petite Eva, est anéantie par les larmes, le désespoir et vient de perdre sa fille, son unique raison de vivre. Cet événement dramatique va marquer le début de notre récit. Accablée par le chagrin, Miranda n'a plus qu'un seul désir, mourir et rejoindre Eva pour être auprès d'elle. Seule, désespérée, brisée à jamais par la perte tragique de son enfant, elle se met en route et marche vers le nord de son village. C'est là-bas qu'elle trouve une grotte dans laquelle elle va s'engouffrer. Elle erre dans cette caverne, sous terre, humidité et obscurité au rendez-vous. Elle espère trouver ici la mort et la paix éternelle pour rejoindre le fruit de sa vie, son Eva, sa seule lumière qui aura été emportée bien trop tôt par la maladie. Mais alors qu'elle progresse dans les profondeurs de la grotte, Miranda va faire une découverte sans précédent, ce qui va tout bousculer dans sa vie et surtout faire renaître en elle la flamme de l'espoir. La lueur qui va tout raviver chez elle et donner vie à une obsession, un rêve fou pour faire revenir sa fille d'entre les morts. Devant elle, au cœur de cette grotte sombre, se dresse un immense organisme vivant, une sorte de fœtus géant rougeâtre, comme un cœur colossal qui bat, un super organisme lié aux parois de la caverne par ses filaments fongiques noirs qui partent dans tous les sens, semblables à de la moisissure. Sous le coup de l'émotion, la jeune Miranda ne sait pas encore qu'elle a face à elle un organe vivant, la racine d'un fungus, d'une colonie infinie de micro-champignons qui peut tout révolutionner scientifiquement. Cette racine de fungus, cet organisme vivant, est appelé mégamycète. C'est le cœur, c'est l'origine directe du mutamycète, la moisissure, qui était la cause du mal dans Resident Evil 7 Biohazard. Le mégamycète est la racine de cette fameuse moisissure. Miranda est sous le choc, sa vie est sur le point de basculer et surtout, elle va pouvoir retrouver sa fille. Car une idée germe en elle. Une idée si simple qui va tout chambouler. Le mégamycète va la délivrer de ses souffrances et de son chagrin. Il y a de la moisissure, du mutamycète partout dans la grotte. Cette substance noire et visqueuse, cette super colonie fongique, déborde de toutes parts et Miranda veut la toucher. Ce gigantesque cœur battant à quelques mètres d'elle, qui sécrète de la moisissure en continu, elle veut se sentir proche de lui. Elle touche la moisissure du mégamycète. Soudainement, elle est submergée par la connaissance, par un savoir infini, par de multiples possibilités qui se présentent. Une sensation unique la traverse, comme si elle ressentait tout le pouvoir du monde, toute la conscience de l'humanité, toute la connaissance. Miranda a été infectée par le mutamycète, la moisissure, en la touchant, et c'est grâce à cela qu'elle réalise que le mégamycète, sa racine, décompose et absorbe la conscience des défunts. La moisissure se propage, comme un fluide, se répand, désagrège et aspire en quelque sorte le cadavre d'une dite personne et va transporter sa conscience vers la racine, vers le mégamycète. C'est comme cela que Miranda est emplie par une connaissance incroyable quand elle se voit infectée par le mutamycète, car elle est connectée à la conscience, à la mémoire de plusieurs milliers de personnes disparues et décédées depuis des siècles. Dès son infection, elle est liée à jamais au mégamycète. D'ailleurs, il sera découvert que les êtres infectés par le fungus sont reliés les uns aux autres par une sorte de réseau de conscience. C'est ainsi que parmi toutes ces consciences, tout ce savoir, Miranda découvre celle de sa fille, Eva. La conscience de sa petite bien-aimée est à l'intérieur du mégamycète. Peu de temps après l'enterrement, Eva avait été assimilée par le super-organisme fongique. L'espoir renaît. Si la conscience de sa fille adorée est là, quelque part, dans le mégamycète, il y a donc un moyen de ramener Eva à la vie. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre. Et c'est là que j'ai découvert le mégamycète complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Le mégamycète décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Ce jour de la découverte du mégamycète restera à jamais gravé. Miranda n'a plus qu'un seul objectif, ressusciter sa fille injustement perdue.
La rencontre de Miranda avec le Megami 7 est vécue par celle-ci comme une expérience mystique, religieuse, profondément personnelle et intime. La racine de la colonie fongique, qu'elle a découverte dans la grotte, est une véritable divinité à tel point que Miranda va considérer le Megami 7 comme un cadeau, un miracle qu'elle va surnommer le Dieu Noir. Rapidement après avoir été infectée, Miranda se voit conférer plusieurs habiletés grâce au Mutami 7, comme notamment le mimétisme. Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut. Elle peut prendre n'importe quelle apparence. Là où le Mutami 7 est très vicieux, c'est que les effets diffèrent selon les hôtes infectés. Certains trouvent la mort, d'autres ont des capacités régénératives et exclusivement cela, d'autres deviennent des monstres et certains se transforment en des créatures qu'on ne préfère même pas imaginer dans nos propres cauchemars. Les plans de Miranda sont devenus clairs. Le Megami 7 a absorbé la conscience et l'ADN de milliers de morts depuis des siècles et sa fille en fait partie. Eva peut revenir à la vie, mais cela va demander beaucoup, beaucoup d'expérience et de recherche. Il n'y a pas une seconde à perdre et Miranda se met au travail. Désormais, tout le projet de sa vie va reposer sur une idée qui, en théorie, peut fonctionner. Il est possible qu'une personne soit assimilée par la moisissure, qu'elle soit aspirée, qu'elle soit infectée et qu'elle devienne l'hôte parfait pour recueillir la conscience d'Eva. Il faut voir un peu le Megami 7 comme une base de données dans laquelle des milliers de consciences de personnes défuntes sont conservées. Grâce à la colonie fongique, à tout ce Mutami 7 qui se propage sous le village et ferait office de passage pour transporter la conscience d'Eva du Megami 7 vers l'hôte, alors l'enfant chéri de Miranda serait de retour. C'est complètement saugrenu, je vous l'accorde, mais pourtant, c'est sur cette idée que Miranda va œuvrer pendant des décennies afin de faire revenir sa fille d'outre-tombe. Il faut donc trouver la bonne enveloppe, le parfait hôte pour Eva. Nous sommes toujours en 1919 et Miranda quitte la grotte pour retourner au village et entamer ses premières expériences sur les villageois. Dans un premier temps, elle introduit du Mutami 7 dans le village et grâce à la moisissure, elle parvient à guérir des maladies incurables chez certaines personnes qui étaient destinées à une mort certaine. Assistant à de tels miracles, les villageois deviennent forcément très influençables et tout de suite, ils voient en Miranda quelque chose de sacré. Ils ne se doutent pas du tout des plans de celle-ci ainsi que de l'existence de la moisissure. Le village étant petit, isolé du reste du monde, les nouvelles vont vite et Miranda se forge une réputation. À l'église, elle se présente comme une prophétesse du Dieu Noir. Les villageois abandonnent leur foi chrétienne très rapidement pour vouer un culte au Dieu Noir, le Dieu Noir qui n'est autre que le Megami 7, mais ça, les gens l'ignorent totalement, et Miranda devient la représentante de ce dieu sur Terre, si bien qu'elle se fait appeler dès lors Mère Miranda. Mère Miranda, à l'origine de bien des miracles dans le village, prend donc le rôle de chef spirituel, de gourou, de prêtresse néo-païenne. Un respect éternel est voué à cette femme. Il est à préciser que Miranda jouit d'un certain pouvoir de contrôle mental sur les gens, ce qui expliquerait aussi pourquoi la majorité des villageois la considèrent comme leur gourou. Ils ont perdu une partie de leur libre arbitre et sont aveuglés par le pouvoir de Miranda, qui va expérimenter d'ailleurs avec certains d'entre eux. À partir du moment où Miranda revint de la grotte après sa découverte, elle ne décima pas toute la population du village avec le Mutami 7. Bien au contraire, elle se servit de la moisissure pour gagner la confiance des villageois en guérissant des maladies par exemple, pour mieux les contrôler et avoir une véritable influence sur eux. Elle devint donc leur chef et dans des laboratoires de fortune tenus secrets, elle réalisa des expériences sur certains, pour la plupart presque fiers de servir une noble cause pour les travaux de Mère Miranda. Que cela soit sous le cimetière ou sous le lieu de cérémonie, sous terre, Miranda a donc effectué des expériences sur les villageois, des centaines de personnes de 1919 à 2021, dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite à Eva. Les expériences supposaient l'introduction du Mutami 7 dans le corps des sujets. La vie suit son cours dans le village, les décennies s'écoulent, des disparitions mystérieuses de villageois sont relatées au cours des années, mais rien de plus, Miranda ne vieillit pas, elle reste la même femme qu'elle était au moment de son infection, une belle jeune femme d'une vingtaine d'années grâce au Mutami 7 et cela contribue à faire croître toujours un peu plus l'admiration et la dévotion des villageois pour elle. Mère Miranda, la divinité immortelle qui protège le village. Durant toutes ces décennies, elle continue ses expérimentations secrètes sur certains villageois, mais elles n'aboutissent jamais à rien malheureusement, causant la plupart du temps le décès du sujet. Oh.
Au cours des années 50, la vie de Miranda est marquée par une rencontre. Elle fait la connaissance du jeune Oswell Earl Spencer, un jeune noble britannique s'intéressant à la médecine et à l'évolution humaine. Spencer, qui faisait alors de la randonnée en Europe de l'Est, est victime d'un léger accident en montagne et est secouru par Mère Miranda, une prophète du dieu noir qui dirige un village non loin de là. Elle lui fournit un abri et le prend comme apprenti. Les recherches de Miranda sont d'une grande inspiration pour Spencer. La moisissure, le mégamycète, la colonie fongique, tout cela fascine le jeune britannique qui veut mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Mais des divergences apparaissent entre Miranda et Spencer. L'une voulant ramener une personne à la vie, l'autre désirant changer le monde et le faire évoluer. Néanmoins, une belle amitié se crée et c'est sans animosité qu'ils se quittent, Spencer devant retourner chez lui. 15 années après leur rencontre, Oswell écrira à Miranda car il a découvert la clé de l'évolution, un virus trouvé en Afrique, le Progenitor. Face à cette découverte, Spencer a bien l'intention de créer une société pour mener des recherches qui portera le nom d'Umbrella en hommage à sa mentor Miranda car c'est un symbole qui apparaissait dans la grotte où les deux amis avaient pour habitude de discuter, un symbole faisant penser à un parapluie. Les origines d'Umbrella sont très claires. Les expériences de Miranda avec la moisissure introduite dans le corps de certains villageois ne mènent à rien, il faut plus d'efficacité. Miranda va créer une espèce d'organisme génétiquement modifié qu'elle va appeler cadou. Ce mot provient du roumain qui signifie cadeau et qui descend directement du mot français cadeau. Comme dans Resident Evil 7, Evelyn a infecté les Baker avec son don et voilà que Miranda expérimente avec son cadeau. Le clin d'œil est très intéressant. Elle crée donc le cadou qui est le résultat de l'exposition d'un nématode. Un petit ver rond à la moisissure. Le mutamycète va assimiler les nématodes. Il y a fusion entre la colonie fongique et les petits vers et cela va donner naissance au cadou, un parasite hors du commun qui a une troublante ressemblance avec le mégamycète, la racine de la moisissure. Le cadou, qui a étrangement la forme d'un fœtus, devient le symbole de tout le village et sa représentation est partout. L'emblème du village est donc un fœtus entouré par un anneau doré associé à quatre ailes qui représente les quatre nobles. Nous y reviendrons plus tard. Le parasite cadou mis au point, Miranda en fait plusieurs et elle va réaliser de nouvelles expériences pour être plus efficace. Cette fois-ci, ce n'est pas de la moisissure qu'elle introduit dans le corps des villageois, mais bien le cadou qui va être implanté dans le torse des sujets. Le processus d'implantation reste encore assez vague. Malgré la création de ce parasite, un grand nombre d'expériences échouent tout de même, entraînant la transformation de la plupart des hommes hôtes en lycans, des sortes de loups-garous qui conservent une forme humaine assez nette, avec beaucoup d'agilité, d'endurance, de force et dotée d'un certain degré d'intelligence. Les lycans sont donc le résultat d'une trop faible affinité avec le cadou qui rejette l'hôte dans lequel il est introduit. Il est à noter que les lycans peuvent infecter aussi d'autres personnes par des morsures, on peut le voir notamment avec Leonardo Lupu au début de l'aventure qui après avoir été mordu par un lycan se transforme à son tour. De même, les varkolaks sont aussi des formes d'humains mutants qui sont apparus après que des individus aient été rejetés par le cadou. Cette fois-ci, ils se rapprochent plus de la bête que de l'homme. La raison est qu'en plus d'avoir une faible affinité avec le parasite de Miranda, les hôtes se sont vus injecter du sang de loup dans la colonne vertébrale. Les varkolaks sont des loups-garous monstrueux et extrêmement agressifs et dangereux. Ce sont des créatures féroces. Vous ne voulez pas les rencontrer, croyez-moi. En plus d'être durs à tuer, ils vous massacrent en l'espace de quelques secondes. Enfin, il y a certains lycans qui sont gigantesques, comme Urias ou son frère, qui endossent parfaitement leur rôle de chef de meute. Des fragments de cadou, des sortes de vers, s'échappent d'ailleurs de leur corps. Mais le cadou n'est pas seulement la cause de nombreux échecs dans les expériences de Miranda, car 4 exceptions existent dans l'implantation d'un cadou dans un corps humain, et ce sont ces 4 exceptions qui vont donner à Mère Miranda l'espoir d'enfin trouver l'enveloppe parfaite pour sa fille Eva. C'est dans le cadre de ces expériences avec le cadou que 4 mutations uniques et agressives chez 4 humains vont survenir. Voilà l'histoire des 4 nobles. Si l'on en croit la légende et le folklore local, 4 maisons ont fondé durant l'Antiquité une ville souterraine. Les 4 dirigeants de ces maisons ont régné sur cette ville secrète et ses alentours, sur toute la région, et étaient très puissants, dotés de pouvoirs
hors du commun. On dit qu'ils étaient mutants. Ils ont formé ainsi une alliance entre leurs maisons respectives, l'alliance des quatre maisons, et ont dominé toute la région. Si vous vous promenez dans les environs du village, vous trouverez le lieu de cérémonie, un endroit très fort, avec une véritable âme qui l'habite, dominée par quatre statues de pierre représentant les quatre rois mutants des temps anciens. En son centre, une étrange estrade de pierre prend place, un calice y est posé, avec un symbole faisant étrangement penser à un parapluie. Le calice sera bientôt appelé Calice des Géants, en hommage aux quatre statues qui l'entourent. Les quatre dirigeants, rois, se nommaient respectivement Césarée, Berengario, Guglielmo et Nicolas. Leur destin jusqu'à ce jour est encore un mystère, mais leur lignée a perduré dans le temps. Des siècles plus tard, au XXe siècle, ces quatre statues surplombent encore le lieu de cérémonie et rappellent ce temps oublié de l'Antiquité où quatre dirigeants puissants dominaient une citadelle souterraine. Dans le village à proximité de ce lieu de cérémonie, leurs descendants y vivent. Des centaines d'années plus tard, le sang des quatre rois mutants coule encore dans les veines de quatre individus. Alcina Dimitrescu, Donna Beneviento, Karl Heisenberg et Salvatore Moro sont les fameux descendants. Dimitrescu descend de la famille Césarée, Beneviento de la famille Berengario, Heisenberg des Guglielmo et Moro des Nicolas. Ce sont donc ces quatre descendants, hasard ou non, qui vont, après l'implantation du Cadou, développer des mutations uniques et obtenir des capacités et habiletés hors normes. Bien qu'ils soient considérés comme des candidats prometteurs par Miranda pour accueillir la conscience d'Eva, ils sont tous les quatre jugés inaptes et leur enveloppe est inadéquate. Mais ils sont une belle avancée dans les expériences de la gourou, car ils n'ont pas trouvé la mort ou ne se sont pas transformés en lycans. Tous descendants des quatre rois fondateurs, après ces expériences, Miranda rétablit l'alliance des quatre maisons, un ordre très ancien, pour mieux contrôler le village. Chacun des descendants devient un seigneur, un noble, siège au conseil des seigneurs, hérite d'une partie du village et prend part aux nombreuses réunions de famille avec Miranda qui ont lieu dans une grotte sous le village. Sous le contrôle de Miranda, les quatre seigneurs, Dimitrescu, Beneviento, Heisenberg et Moro, dirigent en véritable tyrannie la région montagneuse et chacun y va de son petit grain de folie. Grâce à cela, Miranda va utiliser les quatre seigneurs pour gagner encore une fois en efficacité afin de trouver l'enveloppe parfaite. Il est assez difficile de situer dans le temps le moment précis où chacun des descendants a muté, car on suppose qu'ils n'ont pas tous rejoint les rangs de mère Miranda en même temps. Néanmoins, la première candidate à être devenu seigneur serait Alcina Dimitrescu dans les années 50. La comtesse Alcina Dimitrescu, riche descendante d'une famille d'aristocrates déchus, propriétaire de l'impressionnant château ténébreux qui domine tout le village, est le 181e sujet des expériences de Miranda et fait suite à de nombreux échecs. Lady Dimitrescu descend directement de l'un des quatre fondateurs du village, Césarée. Pour des raisons inconnues, Alcina n'avait jamais grandi dans la localité et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est arrivée dans la bourgade sur les terres de ses ancêtres. À son arrivée, elle découvre que le village est dirigé par Mère Miranda, prophète et chef spirituel, représentante du dieu noir. On suppose que grâce à la moisissure introduite dans le village un peu partout, Miranda avait déjà, avant même ses expériences sur Alcina Dimitrescu, un pouvoir de contrôle, une influence sur la noble. Cette dernière est d'ailleurs atteinte d'une maladie héréditaire du sang, très rare, la porphyrie, mais le mutamycète ne parviendra pas à guérir ce mal étonnamment. Voilà donc Alcina Dimitrescu au village, et nous sommes dans les environs des années 50. Nous n'avons pas de date précise, mais nous savons que nous sommes avant l'année 1958. La comtesse a alors 44 ans et elle est attirée discrètement mais sûrement par Miranda dans une crypte sous le cimetière du village. Dans son laboratoire de fortune, la grande prêtresse implante le cadou dans le corps de Lady Dimitrescu. Et cette fois-ci, elle ne se transforme pas en lycan ni en une autre créature, la mutation est unique et le sujet développe une affinité plus que favorable avec le cadou. Au contraire, le parasite ne rejette pas l'hôte dans lequel il a été introduit. Dame Dimitrescu développe des habiletés, sa vitesse de régénération est exceptionnelle, elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes. Et surtout, elle peut faire pousser ses
ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps. Je peux vous le dire, Ethan Winters s'en souviendra, griffe est un doux euphémisme, je parlerai plutôt de katana. En plus de nouvelles capacités, le kadou d'Alcina va provoquer chez elle une croissance excessive de son corps et elle atteint bientôt les 3 mètres de hauteur quasiment. Il est à noter que l'implantation du parasite va permettre à la comtesse de se transformer quand elle le souhaite en une sorte de dragon vampire gigantesque, extrêmement puissant. Elle a le don de pouvoir contrôler la mutation de son corps, si bien qu'elle peut choisir quand elle veut si elle veut prendre l'apparence de la Alcina de 3 mètres ou si elle veut ressembler à un dragon majestueux aux propriétés vampiriques. Alcina Dimitrescu est donc un sujet quasi parfait pour Miranda et va constituer une enveloppe quasi adéquate pour Eva. Mais deux choses empêchent cela. En raison de sa maladie héréditaire du sang, Lady Dimitrescu doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives et si l'équilibre métabolique de notre comtesse venait à être rompu par une substance toxique, comme une dague enduite de poison par exemple, je dis ça comme ça, alors le corps muterait de façon incontrôlable. Alcina Dimitrescu est un sujet presque parfait, mais malheureusement Mère Miranda fait face à un nouvel échec car elle n'a pas encore trouvé l'enveloppe idéale pour faire revenir sa fille. Néanmoins, Alcina constitue pour Miranda une belle avancée dans ses expériences et recherches et elle ne voit pas en elle un simple échec comme un autre, d'autant plus qu'elle ne s'est pas transformée en lycan et qu'elle dispose encore après cette expérience de toutes ses capacités intellectuelles. Miranda voit plus loin et accorde un statut très spécial à Dimitrescu. Descendante directe de l'un des fondateurs du village, Miranda décide de lui accorder le château. Dimitrescu devient donc la maîtresse du château de ses aïeux et elle s'en délecte. Se sentant supérieure aux autres, se sentant privilégiée, elle domine tout le village depuis son fantastique palais et adopte une vision fermée, très méprisante et hautaine de la société où elle croit fermement à l'idée de caste, avec d'un côté les pauvres et de l'autre les riches, ceux qui dominent le monde. Elle s'enferme d'autant plus dans cette idée car elle a des capacités surnaturelles dues au kadou et son statut de noble a été restauré grâce à Mère Miranda. Alcina se sent presque invincible dès lors qu'elle prend le contrôle du château. Des années 50 jusqu'en 2021, à partir du moment où Alcina est devenue la maîtresse des lieux, des événements terrifiants et mystérieux vont se dérouler au château Dimitrescu. Des actes barbares vont être relatés sans pour autant parvenir à identifier un coupable. Si vous êtes de passage au village, il n'est pas impossible que vous entendiez parler de la grande Lady Dimitrescu qui dirige son château avec une cruauté indescriptible et une sévérité qui dépasse les limites de l'entendement. La lignée Dimitrescu est immortelle. Du moins, c'est ce que Madame Alcina ne cesse de répéter. Si elle veut conserver ses capacités régénératives conférées par le kadou, Lady Dimitrescu a un besoin en sang très important. Pendant 7 décennies, la comtesse va donc massacrer, séquestrer, tuer et vider de leur sang plusieurs dizaines de domestiques ainsi que quelques vagabonds qui se trouvaient aux abords du château, au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle n'hésite pas à changer régulièrement le personnel qui disparaît toujours dans des conditions mystérieuses. Là-bas, si vous descendez dans les sous-sol du château, vous risquez de ne jamais revenir. Sous la surface, dans les profondeurs sombres de la forteresse, des choses sanglantes s'y déroulent. Homme ou femme, le sort diffère selon le sexe. Les hommes sont vidés de leur sang, sang qui va être dégusté par Alcina, puis ils sont transformés en épouvantail pour le vignoble du château. Les femmes, quant à elles, bien plus nombreuses, pour la plupart des servantes, deviennent de véritables esclaves et vont faire l'objet d'un rite tortueux impliquant le drainage de leur sang. Une cuisinière du château, à une date inconnue, écrira dans son journal « Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. » Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais dans ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que la peau sur les os et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine. Le sort des jeunes femmes envoyées dans les sous-sols est tragique. Elles sont emprisonnées dans des cellules, affamées, vivant dans des conditions insalubres et inhumaines, et leur sang va être extrait pour être combiné avec des raisins afin de créer un grand cru, un millésime, le Sanguis Virginis, au succès reconnu. L'histoire viticole du château Dimitrescu remonte au 15e siècle. Alcina a combiné les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui
conférer un bouquet épais. C'est ainsi que le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge, est considéré comme le meilleur millésime de la famille et est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Les jeunes demoiselles dont le sang a été utilisé pour faire ce vin finiront par périr dans les cachots du château, soit achevées par Alcina Dimitrescu qui va les vider encore de leur sang pour son plaisir personnel, soit en succombant à leurs blessures. Ces meurtres, ces disparitions et ces séances macabres de torture, de drainage de sang dans les sous-sols du château Dimitrescu se répéteront encore et encore pendant plus de 70 ans. Pour les restes des jeunes filles, pour les cadavres de ces femmes injustement assassinées, un phénomène très particulier va se passer. La moisissure présente un peu partout dans le village et aussi dans le château va assimiler les corps des femmes tuées et va les ramener à la vie dans une forme bien particulière. Des créatures féroces, pâle, à l'apparence vampirique, la peau sur les os, reviennent d'entre les morts. Les Moraïka prennent vie et vont hanter les salles et les caves de la forteresse Dimitrescu. Certains corps de femmes seront assimilés différemment par la moisissure et se transformeront en des créatures légèrement différentes appelées Samka, des espèces de chauves-souris mutantes à la langue anormalement longue, bien plus vives que les Moraïka et qui clairement m'ont fait faire bien des cauchemars. C'est ainsi que Moraïka et Samka rôdent dans le château et ses alentours. Et tout vagabond est tenu de rester à l'écart s'il veut rester en vie. Étrangement, ces jeunes femmes mortes vivantes qui ont été torturées par Lady Dimitrescu, tuées et vidées de leur sang, ne semblent pas s'attaquer à la doyenne du château. En parallèle de ces événements et histoires sordides au château Dimitrescu, dans les années 50, Alcina va devenir mère, au sens figuré, de trois jeunes filles extraordinaires, Bella, Daniela et Cassandra, trois femmes vives, magnifiques et qui ont le cœur sur la main. Vous vous doutez bien que tout cela n'est que pure ironie. Bella, Daniela et Cassandra sont terrifiantes et incroyablement monstrueuses, surtout si vous avez la phobie des insectes. Encore une fois, elles vont être le fruit des expériences douteuses de Mère Miranda, assistée par Alcina Dimitrescu. Avec le cadou. Dans sa quête folle de ressusciter sa fille, Miranda se rend au château avec un cadou et elle va expérimenter avec les corps des trois jeunes filles. Il faut dire qu'au château Dimitrescu, ce ne sont pas les jeunes femmes qui manquent. Chaque fille dans un lit, endormie, Miranda va procéder de cette manière. Elle met le parasite en face de chaque corps et attend de voir comment va agir le cadou. Ce qu'il va se passer est très particulier. Le cadou va pondre des œufs dans le corps des trois jeunes femmes. Pas d'implantation, pas de chirurgie abusive, juste des œufs de cadou. Ce qu'il va résulter de cette expérience est pour le moins intriguant. Au premier jour après le traitement avec le cadou, les trois filles ont cessé de bouger, elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aînée, une mouche banale. Au deuxième jour, les trois corps sont recouverts de mouches qui dévorent leur chair. Ces mouches, semblables à des mouches à viande, sont en réalité carnivores et très voraces et ne peuvent pas supporter les changements de température. Au quatrième jour, les trois corps des femmes ont été presque entièrement dévorés par les mouches. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes dessinant vaguement des silhouettes humaines. Au cours de la quatrième journée, les mouches ont changé de couleur. Celles qui recouvrent le visage sont blanches et celles au niveau des lèvres ont viré au rouge. Au sixième jour après le traitement, les masses d'insectes se sont à nouveau déplacées et ont redonné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se réveillent comme une renaissance et regardent comme des nouveau-nés leur mère, Alcina Dimitrescu. Éprouvant tout de suite de l'affection pour les trois filles, Alcina leur donne à chacune un prénom, Bella, Daniela et Cassandra. Les trois femmes constituent chacune un collectif d'insectes mutants, des mouches extrêmement agressives qui naissent quand le cadou pond des œufs dans son hôte et qui émettent un phéromone d'agrégation qui leur sert à se regrouper pour prendre une apparence humaine. La faiblesse de ces mouches est qu'elles sont sensibles aux changements brusques de température. En cas de descente en dessous de la barre des 10 degrés, leur métabolisme s'arrête et elles entrent dans un état de stase qui les calcifie. Vous l'aurez compris, Bella, Daniela et Cassandra ne sont pas humaines, elles n'ont rien à voir avec des femmes, ce sont des amas d'insectes qui n'ont qu'une envie, vous bouffer tout cru. C'est clairement effrayant. On situe la naissance des filles d'Alcina Dimitrescu avant l'année 1958, si l'on s'en réfère aux documents répartis ici et là dans le château. Et
Jusqu'en 2021, Bella, Cassandra et Daniela ont aidé et pris part directement aux meurtres, séquestrations et séances de drainage de sang perpétrés dans l'enceinte Dimitrescu. Clairement, être domestique là-bas relève du suicide. En tant que l'une des quatre seigneurs de la région, Alcina Dimitrescu se considère comme la petite préférée de Miranda. Mais cette dernière ne semble jamais avoir eu de favori parmi les quatre nobles. Il faut ajouter qu'une espèce de relation mère-enfant existe entre Miranda et les quatre humains mutants. Plus effacée, très mystérieuse, sombre, renfermée sur elle-même, mais pas moins dangereuse, Donna Beneviento est une autre seigneur, descendante du roi mutant Berengario. Contrairement à Alcina Dimitrescu, il est très difficile de situer dans le temps le moment où Donna Beneviento a été la victime des expériences de Mère Miranda avec le Cadou. Après les années 50, c'est le seul indice que nous pouvons avoir. Les terres des Beneviento se situent au nord-ouest du village dans une vallée brumeuse. Là-bas, vous y découvrirez le pont suspendu des chemins étroits où des fantômes n'attendent que vous. Il n'est pas impossible que vous vous sentiez épié, observé, écouté, si jamais vous vous y aventurez. Au bout de cette vallée, à l'extrémité se dresse la maison Beneviento, surplombée par une cascade magnifique en bordure d'une falaise redoutable. C'est ici que vit Donna Beneviento avec ses poupées qu'elle a fabriquées, car la noble a une fâcheuse obsession pour les poupées. La vie de Donna est marquée par des événements tragiques et beaucoup de malheurs au sein de sa famille, à commencer par Bernadette Beneviento, 21 ans, une parent plus ou moins éloignée de Donna, disparue dans des conditions mystérieuses et douteuses dans le village au cours des années 1950. Nous apprendrons plus tard que Mère Miranda avait enlevé la femme pour ses expériences avec son parasite, mais Bernadette aura trouvé la mort des suites des expérimentations. Durant son enfance, Donna est touchée par un drame. Ses deux parents se suicident et trouvent la mort. Il est évoqué qu'ils se seraient jetés du haut de la cascade derrière la maison. Un autre malheur frappera Donna, le décès de Claudia Beneviento, emportée bien trop tôt par la mort, à l'âge de 9 ans en 1996. On ne sait pas si Claudia était la fille unique de Donna ou la sœur. Elle est enterrée devant l'entrée de la maison avec le calice de son ancêtre Berengario et a pour épitaphe « Libérée des liens de la chair, elle marche à présent dans la vallée de la mort ». Toutes ces épreuves tragiques vécues par Donna vont engendrer chez elle un profond traumatisme. Sa santé mentale est gravement atteinte et elle développe des angoisses, une anxiété maladive et un problème de communication plus qu'anormal. Renfermée sur elle-même, elle ne parvient pas à parler aux autres. Elle a même peur des gens. Sa maladie mentale est un véritable frein pour sa vie sociale. Le jardinier de la famille écrira d'ailleurs dans son journal « À la mort de ses parents, elle s'est renfermée sur elle-même, ne parlant plus qu'à Angie, la poupée que lui avait fabriquée son père ». Un certain 10 novembre d'une année qui n'est pas précisée, entre les années 50 et 2021, Donna Beneviento devient la fille adoptive de Mère Miranda. Comme pour Bernadette, Miranda va implanter le cadou dans le corps de Donna. Cette dernière survit à l'expérience et cela n'engendre chez elle quasiment aucun changement physique, si ce n'est un énorme abcès au niveau de son œil droit, cette partie du visage étant en partie dévorée par le parasite. Mais elle va bientôt développer une capacité très particulière. Elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le mutamycète. Et si un humain absorbe le pollen de ces plantes, elle peut leur faire avoir des hallucinations extrêmes, voire très violentes. Mais l'expérience de Miranda aggrave nettement la santé mentale de Donna, et cette dernière souffre de troubles mentaux très sévères après cela. Son agoraphobie, son anxiété, son obsession pour les poupées, tout cela est exacerbé. Elle va d'ailleurs diviser son cadou entre ses poupées, implanter un fragment dans plusieurs d'entre elles, lui permettant de les contrôler à distance. C'est comme cela qu'Enji, la poupée que lui avait fabriquée son père, prend vie et que Donna peut s'exprimer à travers elle. Enji est en quelque sorte la porte-parole de Donna. À aucun moment, la fabricante de poupées parvient à parler d'elle-même. D'autres poupées peuvent être contrôlées à distance, mais cela reste Enji, la principale, la petite favorite. L'expérience de Miranda ayant abouti, Donna a effectivement développé une grande affinité avec le cadou. Mais elle souffre de troubles mentaux sévères et a divisé son cadou. Mère Miranda estime que Donna est une enveloppe inadéquate pour sa fille Eva. Néanmoins, Donna, descendante de Berengario, rejoint l'alliance des quatre seigneurs, des quatre nobles et siège au conseil.
Des quatre nobles, Salvatore Moro est certainement le plus effrayant et le plus monstrueux. Des sources dont on dispose, il semblerait que c'est le dernier à avoir rejoint les rangs de Mère Miranda et à être devenu seigneur. Mais nous n'avons pas de date précise encore une fois. Très énigmatique, au passé mystérieux, descendant du fondateur Nicolas, Moro a un grand manque de confiance en lui. À une date inconnue, il fut capturé par Mère Miranda qui réalisait des expériences secrètes et il se vit implanter un parasite dans le corps, le Cadou. Les mutations qui suivirent furent monstrueuses. Des organes semblables à des branchies de poisson se développent à l'intérieur de son corps. Une vessie natatoire grandit en lui. Dotée à l'origine de capacités intellectuelles très très basses, Mère Miranda notera que le Cadou provoque chez lui une division cellulaire qui le fait se transformer en un poisson géant. Malheureusement, il ne peut pas contrôler ses transformations et représente pour Miranda un échec cuisant car il ne va pas du tout pour sa fille. Salvatore Moro devient tout de même un seigneur et rejoint le conseil des seigneurs pour diriger avec Heisenberg, Dimitrescu et Beneviento le village. Des mains et pieds palmés, un dos gluant recouvert d'yeux, il peut, en expulsant de l'acide depuis son ventre, créer une pluie chimique mortelle. Il semble aussi produire des enzymes épaisses, verdâtres, gluantes qui bloquent l'accès parfois à certains endroits. Malgré un manque cruel d'intelligence, il va réaliser un certain nombre d'expériences avec un Cadou sur les villageois pour les intérêts de Miranda, mais aucune ne va être couronnée par un succès. Ces expériences se déroulaient à la clinique Moro, ce qui laisse penser qu'il avait peut-être des médecins dans sa famille. C'est Moro qui a créé les Varkolax, ces loups-garous gigantesques. En tant que seigneur, il s'isole dans sa partie de village, au sud, se cloître dans son réservoir d'eau près du moulin, et comme il se transforme souvent en poisson géant, il inonde complètement une partie du village pour pouvoir nager librement. Dans la zone de Moro, des disparitions inquiétantes se produisent, apparemment une sorte de requin mutant est dans l'eau et dévore de pauvres pêcheurs sans méfiance. Salvatore Moro est le plus bête des nobles, mais il a un certain cœur, il faut le reconnaître, car il a une profonde affection pour Miranda, qu'il considère comme sa véritable mère. Oh Mère Miranda, pour vous, je ferai n'importe quoi. Doutant toujours de lui, se trouvant laid, inutile, il veut rendre sa maman fière de lui. Tout cela nous amène à parler du fameux Carl Heisenberg. Carl Heisenberg, le dernier des quatre nobles descendant du fondateur Guglielmo, diffère légèrement des trois autres seigneurs car il a un profond ressentiment envers Mère Miranda. Comme les trois autres, il s'est fait attirer secrètement dans un des laboratoires secrets de Miranda et a été la victime d'une nouvelle expérience de la prêtresse. Celle-ci lui implante le Cadou et cela va développer chez lui des organes électriques similaires à ceux des raies électriques. Ces organes vont être reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Bien qu'il soit un sujet remarquable pour Miranda, il est considéré lui aussi comme inapte pour devenir l'enveloppe d'Eva. Contrairement à Beneviento, Moro ou Dimitrescu, Heisenberg se démarque de ses frères et sœurs, entre guillemets, car il en veut profondément à Miranda de l'avoir transformé ainsi. Pour lui, Mère Miranda est égoïste au plus haut point et malhonnête car elle les considère tous les quatre comme une série d'expériences ratées avec le Cadou, rien de plus. Sa fourberie ne connaît pas de limite et il doit sa survie au hasard car il a eu juste de la chance de montrer plus d'affinité avec le parasite que les autres villageois. Il écrira dans son journal « Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. » En maintenant une alliance avec les trois autres maisons, Heisenberg devient un seigneur et contrôle le village. « Dépêchez-lui à être à sa botte !» Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. Mais dans le dos de celle-ci, Carl Heisenberg trame quelque chose. Il nourrit secrètement une rébellion, une révolte qu'il compte bien mener jusqu'au bout. En jouissant de son rôle de seigneur, il peut tranquillement gérer et diriger son usine en périphérie du village, en s'éloignant et s'isolant, car il préfère rester cloîtré entre ses murs. Là-bas, dans l'usine, des choses pas nettes s'y déroulent. Heisenberg est en train de créer une véritable armée de soldats mécaniques. Il a pour projet de libérer une fois le moment venu tous ses soldats de métal mécaniques.
mécanisée sur Miranda pour venir à bout de celle-ci une bonne fois pour toutes. Avec des cadavres récupérés ici et là, un réacteur alimenté par le Kadou, Heisenberg a donc mis au point des soldats morts-vivants mécanisés, armures et foreuses pour certains au rendez-vous, blindage aluminium ou même hélices pour d'autres. L'usine est un véritable labyrinthe dans lequel il ne vaut pas mieux s'aventurer sous peine de croiser quelques monstres métalliques. Dimitrescu, Beneviento, Moro et Heisenberg, ce sont donc les quatre seigneurs de la région montagneuse, les quatre mutations uniques engendrées par les expériences de Miranda, mais malheureusement nos quatre nobles ne sauront être à la hauteur pour incarner l'enveloppe d'Eva. Jamais découragée, toujours poussée par cet espoir de la revoir un jour, Miranda ne désespère pas pour autant dans ses recherches. Surtout quand, en 2000, une organisation criminelle va prendre contact avec elle. Nous sommes en 2000 et Mère Miranda contrôle toujours son village avec l'aide de ses quatre seigneurs mutants. Bientôt, une société nommée Connections, une organisation criminelle axée sur la recherche et le développement d'armes biologiques, va approcher Miranda. La compagnie cherche à mettre au point une arme pour laver le cerveau des ennemis et les transformer en dociles serviteurs. Intéressés de près par la moisissure sur laquelle Miranda travaille depuis des années, ils proposent leur aide à celle-ci. En échange, Miranda leur donne un peu de Mutamycète, ainsi qu'un embryon cloné d'Eva avec son ADN. Ils introduisent dans l'embryon le Mutamycète, la moisissure fournie par Miranda, et c'est ainsi qu'après de nombreux tests, essais, l'arme biologique de série E, Evelyn, apparaît. Evelyn, la cause du mal dans Resident Evil 7. Les Connections ont fait fort, ils considèrent Evelyn comme exempte de défaut, mais pour Miranda, qui a supervisé le développement du spécimen E001, a été présente dans les laboratoires, Evelyn ne ressemble en rien à Eva et selon elle, c'est aussi un échec. C'est d'ailleurs dans les laboratoires de Connections que Miranda rencontrera Mia Winters, une agent de la compagnie chargée du transfert en 2014 de la petite Evelyn vers un laboratoire plus sécurisé. Ce transfert se soldera par un naufrage au cœur de la Louisiane où seules Mia et Evelyn s'en sortiront indemnes et seront secourues par la famille Baker. Du père jusqu'aux deux enfants, tous seront infectés par le Mutamycète qu'Evelyn a sécrété par les pores de sa peau et deviendront des meurtriers mutants pendant 3 années où ils séquestreront, tueront et massacreront des vagabonds qui s'aventurent un peu trop près de la propriété. En 2017, Ethan Winters entre en scène, mari de Mia, qui s'est rendu en Louisiane pour retrouver sa femme disparue depuis 3 ans dans des conditions mystérieuses. C'est ainsi qu'Ethan va croiser le chemin d'Evelyn et du Mutamycète. Les événements de Resident Evil 7 se produisent. Evelyn est tuée par Ethan Winters, Mia est sauvé et notre couple se voit secouru par Blue Umbrella, une société militaire privée qui a demandé l'aide du BSAA, une force d'intervention spéciale qui lutte contre le bioterrorisme. C'est comme cela que Chris Redfield, membre du BSAA, rencontre notre couple Winters. Par la suite, Mia, ancien agent de la société Connections, conclut un marché avec Chris Redfield et le BSAA. Fournir toutes les informations qu'elle a sur l'organisation criminelle et en échange, Ethan, son mari, ne sera pas mis au courant qu'elle travaillait pour une compagnie criminelle. Les mois passent, Ethan et Mia sont mis sous protection de témoins et le BSAA décide de les envoyer en Europe de l'Est, dans une maison sécurisée et protégée par les squads Houndwolf de Chris Redfield. Les Winters sont devenus de potentielles cibles de la société criminelle Connections et c'est pour cela qu'il faut les isoler. Tout semble revenir à la normale, bien qu'Ethan reste encore beaucoup sur ses gardes au point de suivre un entraînement militaire intense pour mieux savoir se défendre en cas de nouvelles menaces. Si en apparence la nouvelle vie d'Ethan et Mia en Europe est paisible, dans le fond il y a beaucoup de non-dits au sein du couple car Mia ne veut pas reparler de ce qu'il s'est passé en Louisiane et Ethan, lui, veut aborder le sujet par souci de transparence pour mettre les choses sur le tapis. Personne ne se souvient de cette histoire.
La vie suit son cours et bientôt, en août 2020, la famille Winters s'agrandit. Nous sommes à la fin de l'été 2020, le 2 août, et voilà que Mia vient de mettre au monde un nouveau-né, une petite fille nommée Rosemary. C'est un cadeau tombé du ciel et c'est aussi l'occasion pour le couple d'aller de l'avant. Les 6 mois qui suivent, jusqu'en février 2021, Ethan, Mia et Rosemary vivent des jours heureux, loin de tout, dans leur belle maison d'Europe. Mais Mia cache un sombre secret concernant Ethan. Elle sait quelque chose sur son mari, mais celui-ci l'ignore totalement. Par peur de le perdre, parce qu'elle tient à lui, elle ne parviendra jamais à lui dire. Dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Au cours des 6 premiers mois de l'existence de Rosemary, le BSAA va effectuer de nombreux examens sur la petite fille. Mia avait été infectée par la moisissure en 2017 et présentait quelques résidus dans son corps. Dans un rapport d'examens médicaux, Rosemary, heureusement, ne montre aucun trouble apparent. L'enfant est en bonne santé, il ne manque plus que les résultats du dépistage d'agents pathogènes fongiques. C'est déterminant pour savoir si Rose a en elle du mutamycète. Le 2 février 2021, les 6 mois de Rose sont célébrés. La petite fête sa demi-année. Le 6 février, Ethan écrira dans son journal « On s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. » Oui, tout ne va pas pour le mieux dans le couple Winters. Après le 6 février 2021, tout dérape. C'est le moment clé où Mère Miranda va retrouver la trace de Mia Winters avec qui elle avait travaillé dans le cadre du développement d'Evelyn. Un siècle s'est écoulé depuis le début des recherches et expériences de Mère Miranda. 100 années à essayer de trouver la bonne enveloppe capable de recueillir la conscience d'Eva qui vit quelque part dans le Mégamycète. Ses efforts n'auront pas été vains car l'hôte parfait pour sa fille existe et vient de naître. Rosemary Winters semble être l'humain qui remplit tous les critères. Elle est dotée de pouvoirs insoupçonnés et nul ne fait doute que réside en elle un potentiel incroyable. Mystérieusement, la fille d'Ethan et Mia constitue l'enveloppe parfaite pour Eva. Par l'intermédiaire d'un agent double qui travaille pour les Connections et a infiltré le BSAA, Miranda apprend donc l'existence de Rosemary, Rose, la progéniture d'Ethan et Mia, qui, voyez là le fruit du hasard, vivent justement en Europe de l'Est, non loin du village de Mère Miranda. Le couple est sous la protection d'une escouade du BSA et est donc difficilement accessible. Mais Mère Miranda a un plan pour enlever Rose. Le 3 février 2021, Miranda demande à un villageois, Eugène, de lui fournir médicaments et objets bien précis dans un but inconnu. Cet Eugène soupçonne quelque chose d'étrange qui se trame chez Miranda. Le 8 février, il écrira dans son journal qu'il est sans nouvelles de Mère Miranda. Où est passée la chef du village et que prépare-t-elle ? Au même moment, à quelques kilomètres du village, aux alentours du 7-8 février, Mia et Ethan passent une belle soirée dans leur maison. Musique apaisante en fond, Mia est en train de lire un conte local à sa fille, le village des ombres, afin qu'elle trouve le sommeil. Ethan s'étonne que cela soit un conte pour enfants, peut-être que Rose n'est pas encore en âge d'écouter des récits aussi lugubres. Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que 6 mois. Endormie, il faut aller coucher la petite dans son landau. Ne t'inquiète pas, je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Redescendue de la chambre, Mia offre un verre de vin à son mari. Au programme, dîner en amoureux aux chandelles. Mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi ! Mia ! Mia, oh non,
que tu fous ? Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Et voilà comment une soirée a priori normale va se transformer en cauchemar et replonger Ethan dans l'angoisse, la panique, le sang et la violence. Chris Redfield a abattu Mia froidement et sans l'ombre d'un doute. Pourquoi Chris, qui était chargé de la protection des Winters, a-t-il agi ainsi ? L'enfer, le chagrin, la détresse, l'incompréhension, tout recommence. Sa fille Rose est dans les bras de Chris, l'assassin, le traître qui a brisé la confiance d'Ethan. Ce dernier est assommé et perd conscience. Sortez-le d'ici. C'est dans une forêt enneigée, obscure, qu'Ethan se réveille, seul dans un froid glacial, à proximité d'un fourgon blindé. Il y a eu un accident. Le convoi qui l'escortait, alors inconscient, a été pris en embuscade. Les gardes sont morts. Rose n'est plus là et Chris Redfield manque à l'appel. Que vient-il de se passer ? Il doit absolument retrouver sa fille. Seul, il s'aventure dans le sentier qui se présente. Pour seule et unique compagnie, il peut compter sur une lampe torche pour l'éclairer dans cette nuit noire. Sur son chemin, des carcasses d'animaux morts se dressent et il peut déceler le son inquiétant de bêtes féroces s'agitant autour de lui. Que se passe-t-il ici ? Où est-il ? Bientôt, il arrive au niveau d'une cabane. Il pénètre à l'intérieur de celle-ci et explore l'habitation. Craquement, silence pesant, traces et marques d'une vie passée, arrêtée précipitamment, quelque chose ne va pas ici. Après s'être rendu au sous-sol, en remontant, il découvre avec effroi que quelqu'un était là, à quelques mètres de lui, et que le mur a été enfoncé. Il sort. Le soleil se lève, nous sommes à l'aube de la journée, au commencement du cauchemar. Ethan emprunte une petite traversée entre les arbres et les roches, frigorifié. Le voilà à présent face à un village mystérieux, isolé, étrangement calme et silencieux. Mais où est-ce que je suis ? Un immense château au style gothique, tout droit sorti d'un conte vampirique avec Dracula, surplombe la petite cité et les montagnes enneigées tout autour confinent la bourgade dans l'isolement le plus total. Une ambiance pesante règne et Ethan ne peut pas faire demi-tour. Cette atmosphère si troublante qui angoisse Ethan laisse penser qu'il n'y a pas une âme qui vive dans les parages, seuls les corbeaux semblent être de la partie et pourtant Ethan se sent observé, écouté, analysé. Un mal a été libéré dans le village. Peut-être qu'ils sont sortis. Notre protagoniste découvre des maisons, des habitations où la vie fut, mais n'est plus. Quelqu'un vit forcément ici. Des marques de violence récentes et encore fraîches témoignent d'une menace imminente. Il y avait des villageois, il y a encore peu de temps, cela se sent et il y a eu un massacre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors qu'il explore les lieux, petits chemins et maisonnées, Ethan arrive dans une maison où il rencontre Grigory, terrifié, seul villageois survivant pour l'instant d'une attaque effroyable dont a été victime le village. Le vieil homme est paniqué, troublé et regarde partout. Oh non ! Ils arrivent ! Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue ? Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue ! Pourquoi ? Ils vont arriver. Les Lycans, l'œuvre de Mère Miranda. Hey, vous arriverez pour ! Putain ! Ah! 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 Ah!
Scénario cauchemardesque pour Ethan qui peut remercier son entraînement militaire. Il est venu à bout de son tout premier Lican. Ce ne sera pas le dernier. Par contre, il a perdu deux doigts. Effrayé de ce qu'il a dû affronter, il se réfugie dans la première maison venue. Mais manque de chance, il est attaqué et encerclé par une horde de Lican. Il parvient à survivre contre toute attente et il intercepte une transmission radio disant à tous les survivants du village de se rendre au plus vite chez une certaine Louisa. Quelques instants plus tard, une nouvelle horde de loups-garous l'attaque, menée par Urias, un Lican gigantesque, et cette fois-ci, il est sauvé par les cloches du château. Sous ses yeux, toute la meute fuit, comme pour répondre à l'appel du devoir. Se remettant comme il peut, il rencontre dans la foulée une étrange vieillarde aux allures de sorcière, dessinant avec le bout de son bâton un symbole fœtus dans la terre. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Rose est ici quelque part dans le village. Depuis que Mère Miranda l'a amenée, les ténèbres se sont abattues sur les villageois. Les Licans ont été libérés. Pendant près d'un siècle, Miranda réalisait ses expériences secrètement, mais cette fois-ci, quand elle sait que Rose est l'enveloppe idéale, elle n'a plus que faire de son village. Ethan est dans l'incompréhension la plus totale. Mère Miranda, cette vieillarde, ses Licans, tout est flou. Mais la sorcière l'a reconnue, elle sait que c'est le père de Rose. Découvrant le village déserté, où les Licans menacent à chaque tournant, il tombe sur une pierre tombale d'une petite fille partie trop tôt. Eva, juin 1909, août 1919. Puisse ton sommeil n'être que de courte durée. Les lieux sont infestés de Licans et Ethan n'a pas d'autre choix que de se réfugier chez Louisa avec deux survivants trouvés sur son chemin, Leonardo et Elena. Mais chez Louisa, les choses tournent mal. Leonardo est infecté par une morsure de Lican et il se transforme. Dans un foutoir total, il infecte les autres survivants à l'intérieur de la maison, provoque un incendie qui raye définitivement de la carte la demeure de Louisa. De nouveau seul, Ethan doit trouver une solution et c'est en regardant ce château si grand, si majestueux, mais qui dégage une telle noirceur que Ethan pressent que sa fille Rose se trouve là-bas. Il doit aller au château. S'est enfrayé un chemin pour accéder à la forteresse, il est interrompu par un homme aux petites lunettes noires, Karl Heisenberg. Il perd conscience après s'être reçu une barre de fer dans le ventre et des bouts de métal un peu partout sur le corps. Oh, t'es pas d'ici? Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Il se réveille dans une église rupestre en pleine réunion de famille, présidée par Mère Miranda la gourou. Les quatre seigneurs du village sont là. Le débat est houleux, que va-t-on faire d'Ethan? Le sort de cet homme est discuté et on dénote des tensions nettes entre Heisenberg et Dimitrescu. Mère Miranda tranche, le sort d'Ethan est entre les mains d'Heisenberg. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Lican et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Nous voyons ce que tu as de Ethan Winters. T'es prêt? Les jeux commencent et Ethan doit courir le plus vite possible pour échapper au Lican. Il s'en sort et peut souffler un bon coup. Rien de tel que la viande hachée américaine! Il n'a pas perdu son objectif de vue et se rend au château pour sauver Rose. Juste avant d'entrer, il va faire une rencontre très intrigante. Le duc, mystérieux, bien en chair, une certaine masse, cet individu ne semble pas du tout dangereux. Au contraire, il se montre très amical avec Ethan. C'est un marchand depuis des années dans le village qui vit dans sa roulotte et se déplace avec. Au cours de l'aventure, Ethan aura affaire plusieurs fois à lui et procédera à de nombreux échanges, transactions monétaires, trocs pour obtenir des équipements, des
des armes et autres objets pouvant l'aider à s'en sortir. Ses intentions sont bonnes et c'est l'unique allié d'Ethan. Munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Il ouvre les portes et pénètre dans l'enceinte. Contre toute attente, l'intérieur du château est tout simplement magnifique. Moulures au plafond, bois de qualité, tapis de velours, sol en marbre, murs laqués de dorures, œuvres d'art, tableaux rares, l'argent, le luxe, la beauté résonnent en ce lieu. Un vrai palace au style baroque, un palais aux murs emplis d'histoire qui nous plonge dans un autre temps. Et pourtant, en un instant, Ethan est pris à partie par Bella, Daniela et Cassandra, les insectes mutants qui le tirent jusqu'à une chambre où elle Sina Dimitrescu l'attend. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille, les filles. Lady Dimitrescu a soif de sang, très très soif. Ethan est tombé dans un traquenard. Il se fait crucifier vivant et est laissé seul. Accrochez-le. Non, attendez. Je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan. Faites-moi descendre. Il profite de ce moment de solitude pour se défaire avec courage de ses crochets plantés dans sa main. Il déambule dans le château. Prends garde, Ethan, prends garde. Après une courte errance, Cassandra sort de nulle part. Elle est décidée à lui faire passer un sale quart d'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Il parvient à s'échapper, mais il est contraint de prendre un passage qui le mène tout droit au sous-sol du château. Et là-bas, des créatures l'attendent. Les Moraïkas sont là et ont très faim. Où est-ce que tu vas, petit coquin ? C'est au tour de Bella de montrer le bout de son nez. Alors qu'il est remonté des cachots, au cours d'un combat intense, Ethan prend conscience que le changement de température est le talon d'Achille de notre femme insecte. Doucement mais sûrement, Cassandra s'affaiblit, se ralentit dans ses mouvements et se cristallise. Ethan a anéanti la première fille de Lady Dimitrescu. Sa découverte du château continue. Les pièces n'en finissent plus, un véritable labyrinthe. Chaque salle suscite la fascination, la curiosité, l'admiration, malgré nous. Rose, où es-tu ? Ethan ne trouve pas sa fille, mais tombe sur Alcina directement. Oh merde ! Te voilà ! Une poursuite sanglante s'engage. Dimitrescu a sorti ses griffes et Ethan vient de perdre sa main. Mais avec un remède, il retrouve l'usage de son membre qu'il a recollé. Il vient d'échapper de justesse à la comtesse et a cicatrisé héroïquement. Rose n'est pas dans le château, il faut partir d'ici à tout prix. C'est bon, je me casse d'ici. Cassandra et Bella ne l'entendent pas comme ça et elles veulent s'amuser un peu encore avec leur invité. Grossière erreur de leur part, elles se sont attaquées à la mauvaise personne. Ethan les massacre toutes les deux, elles meurent. Tu n'échapperas pas, tu es là. Alors qu'il cherche un moyen de quitter le château, en se rendant sur le toit, il tombe sur une note relatant l'existence d'une dague enduite d'une concoction de différents poisons. Elle aurait été conçue pour tuer les monstres et les démons et serait dissimulée quelque part dans le château. Avec la malice qu'on lui connaît et l'ingéniosité toujours présente chez lui, il finit par mettre la main sur cette dague. Au même moment, Alcina Dimitrescu, qui a été injustement amputée de ses trois filles, attaque notre protagoniste, mais il réagit avec beaucoup d'agilité.
agilité et plante la comtesse avec la fameuse dague. Mère Miranda l'avait prédit, si Dimitrescu entrait en contact avec une substance toxique, elle se transformerait. Ethan assiste à un spectacle monstrueux dans l'obligation d'affronter Alcina sous sa vraie forme, un dragon vampire immense. Un duel d'une rare violence débute. Ethan tire encore et encore. Il se bat. David contre Goliath. Il vient à bout de Lady Dimitrescu qui se calcifie, un seigneur en moins. Non loin des restes de la comtesse, se présente sur un piédestal un bocal en verre. En le récupérant, le piédestal s'abaisse pour libérer la sortie. Le voilà à l'air libre, mais toujours aucune trace de Rose. Une porte au loin est verrouillée par un cadenas, qu'Ethan fait sauter avec son arme et il s'engouffre dans la grotte. Et par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice. Mort, gloire à Mère Miranda. C'est étonné qu'il croise encore la vieille sorcière. Devant un autel, elle rend un culte à son prophète, Mère Miranda. Rose doit être sacrifiée. Une vie pour une vie. La vieillarde reste énigmatique et s'en va. Ethan ne comprend rien et découvre les quatre lignées, les quatre maisons qui contrôlent le village. Beneviento, Dimitrescu, Moreau et Heisenberg. En s'aidant de la peinture rupestre, il devine que les quatre maisons semblent être reliées d'une manière ou d'une autre par un calice. En peinture, pour représenter les liens qui les unissent au calice, cela ressemble à un parapluie. Après avoir fouillé et analysé la grotte, il découvre le lieu de cérémonie dominé par quatre gigantesques statues de pierre, les quatre rois fondateurs qui régnaient jadis dans la région. Un peu plus loin, Ethan retrouve le duc, le mystérieux marchand qui va lui révéler que le bocal en verre qu'il a récupéré après avoir tué Dame Dimitrescu contient un fragment de sa fille. La tête de Rose est dans ce bocal. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes mal. Ethan est sous le choc. Qu'est-ce que Miranda a fait à sa fille? Eugène, le villageois à qui Mère Miranda avait demandé de lui fournir des médicaments et objets, écrit dans son journal le 9 février, quelques heures avant l'arrivée d'Ethan dans le village, « On m'a dit d'apporter les objets à l'église rupestre avant l'aube. Mais ce que j'ai vu là-bas était effroyable. Les quatre nobles étaient là et Mère Miranda avait un bébé dans les bras. Elle a murmuré quelque chose avant de toucher le visage de l'enfant. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, mais le bébé s'est transformé en un cristal blanc. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle avait fait une chose pareille. Mère Miranda a alors souri. Cet enfant est l'élu, elle reprendra sa forme d'origine, peu importe ce qui lui arrive. Ensuite, elle a confié à chaque noble un bocal contenant un morceau de cristal et ils sont partis. Mère Miranda a cristallisé la petite Rose et a divisé son corps en quatre et chaque partie est conservée par un noble. L'idée malsaine derrière cet acte horrible est de tester les capacités régénératives de Rose pour vérifier qu'elle est véritablement l'enveloppe parfaite pour Eva. Après l'avoir démembrée, Miranda réunira les quatre fragments de Rose grâce à la moisissure, l'enfant ressuscitera, reprendra sa forme d'origine, mais ce sera la conscience d'Eva transportée via le mutamycète qui habitera le corps du bébé. La fille de Miranda se réincarnera dans le corps de Rose. C'est glauque, affreusement glauque. Mais il n'est pas encore trop tard pour Ethan et d'après le duc, Rose peut être encore sauvée. Il faut absolument mettre la main sur les trois autres bocaux contenant sa fille. Le moment est venu pour Ethan d'affronter Donna Beneviento. Ethan. Quoi?
S'aventurant dans les quartiers de la fabricante de poupées, Ethan ne se doute pas un seul instant que son périple là-bas va se transformer en véritable cauchemar au sens propre du terme. Dans la maison et ses alentours, Ethan est victime d'hallucinations très fortes, violentes et dangereuses. Il voit Mia à maintes reprises et la noble Beneviento qui ne parle pas du tout, qui ne se montre pas, si ce n'est par l'intermédiaire de sa poupée Angie, se joue totalement de lui. Vision horrifique, voix venue d'outre-tombe, énigme sadique, Ethan est piégé dans un enfer sombre, douloureux, où son passé refait surface, des éléments de sa vie se présentent à lui, comme si Beneviento connaissait tout de lui. La paranoïa, l'angoisse sont à leur paroxysme et rêve et réalité se confondent. Plusieurs hallucinations sonores feront retentir la voix de Mia, qui cache un lourd secret à Ethan et ne veut pas lui dire. S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia ? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles ? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Un monstre hideux voudra attaquer notre protagoniste, mais Ethan, toujours avec de la ressource, du courage, s'en sort et parvient à affronter directement la noble folle et dérangée. En tuant Angie, la poupée de la maîtresse de maison, après une longue partie de cache-cache parmi les marionnettes, il touche fatalement le cadou, tuant ainsi Donna Beneviento. Comment ? Au moment de sortir de la maison, il peut récupérer le deuxième bocal contenant sa fille. Après Donna, c'est au tour de Moro, le plus bête des nobles et le plus hideux. Ethan se rend au réservoir d'eau du village, près du moulin, là où Moro a pris ses quartiers. Très rapidement, il met la main sur le bocal contenant une partie de sa fille, mais c'est trop facile et Salvatore le piège dans la zone en produisant des enzymes un peu partout, empêchant Ethan de repartir. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Imbécile ! Tu parles trop ! C'est terminé ! Tu es pris au piège ! Qu'est-ce que tu dis ? Ici, c'est mon territoire ! Et jamais je te laisserai partir ! Cherchant un moyen de fuir, il va retrouver Chris Redfield. Plein de haine, face au meurtrier de sa femme, il le conjure de finir le boulot et de le tuer aussi. Mais lors de cette confrontation, Chris ne dit pas tout. Il y a quelque chose qu'il cache et semble avoir des informations secrètes sur Miranda et la moisissure. Quel genre de mouvement ? On sait ce que c'est ? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein ? Hey ! Vous avez dit Miranda ! C'est quoi le rapport avec Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi ? C'est clairement lié à la moisissure. Chris et Ethan sont séparés brusquement et leur conversation est coupée net quand Moro se transforme en poisson géant et décide de tout défoncer. Et quelques instants plus tard, dans un chaos total, Ethan se retrouve face à Moro et doit l'affronter. Pluie d'acide, vomi chimique, charge de taureau, Salvatore a beaucoup de force et se montre très agressif. Encore une fois, Ethan vient à bout du troisième noble. Avant de quitter cette partie du village complètement inondée, Ethan va fouiller la pièce à vivre de Moro et c'est là qu'il découvre un parasite appelé Cadou. Ce truc est vivant ? Il est alors interpellé par une transmission vidéo du fameux Karl Heisenberg, le dernier noble encore en vie.
Cette fois-ci, les choses sont quelque peu différentes. Heisenberg lui propose son assistance et lui dit clairement où se trouve son bocal contenant une partie de Rose, dans une forteresse au nord du village. Le périple d'Ethan dans ce village se poursuit et il se rend dans la dite forteresse. Lycan par dizaines l'attendent et ce n'est pas sans mal qu'il s'en débarrasse. Comme promis, Karl Heisenberg ne l'a pas dupé et il récupère le dernier bocal. Il est une nouvelle fois interrompu par le noble via une autre télévision. Heisenberg se montre très conciliant et ne fait preuve d'aucune marque de résistance. Mais que veut-il en échange? Qu'est-ce qu'il attend d'Ethan? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite. Quoi qu'il en soit, notre héros décide de l'écouter, non sans inquiétude sur les motivations du noble, et va rejoindre l'hôtel avec le calice des géants dans lequel il doit mettre les 4 bocaux. Voilà, Ethan à l'hôtel et il insère les 4 bocaux. Le calice des géants se décroche de l'hôtel, il peut le récupérer et un chemin de torche s'illumine, le guidant vers le lieu de cérémonie. Sur le piédestal, tout semble s'emboîter parfaitement et il peut poser le calice. Quelque chose se passe, un pont de pierre émerge de l'eau et la plateforme sur laquelle se trouve le calice se met à bouger et se révèle être un ascenseur. Ethan descend sous le lieu de cérémonie et peut emprunter le fameux pont pour se rendre cette fois-ci dans l'usine. C'est là que Karl Heisenberg l'attend. Très vite, il est accueilli par son hôte qui va lui proposer une alliance. Le noble cultive une haine secrète depuis des années envers Miranda, elle qui l'a transformée en un monstre. Il tente de convaincre Ethan pour qu'il s'allie à sa cause, il lui propose de mettre un terme au règne de Miranda, de la tuer. Il ajoute que Rose a de grands pouvoirs insoupçonnés, a un potentiel énorme et que grâce à elle, ils pourront venir à bout de la gourou. Mais Ethan ne veut pas rejoindre Heisenberg, il ne veut pas qu'on utilise sa fille et refuse catégoriquement l'offre du noble. Toi et moi, Ethan, ensemble on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Ne lui laissant pas le choix, Heisenberg jette Ethan dans un trou et il se retrouve soudain face à un monstre mi-homme, mi-machine avec une hélice à la place de la tête. Poursuivi par ce soldat de métal, conçu par Heisenberg, il échappe de peu à cette chose horrible, manque de se faire déchiqueter et le voilà perdu dans cette usine gigantesque remplie de l'armée métallique mutante du terrible Heisenberg. Œuvrant intensément pour s'en sortir et survivre dans cet enfer d'acier, il anéantit peu après le Sturm, l'homme hélice, qui le poursuivait peu auparavant. Très vite, il retombe nez à nez avec Karl Heisenberg. Cette fois-ci, leur rencontre va être teintée d'une petite variante. Heisenberg a décidé de prendre un peu de taille et de poids et il veut qu'Ethan bouge de son chemin. Grâce à ses pouvoirs, le noble attire tous les morceaux de ferraille autour de lui, tout ce qui est composé de métal et se transforme bientôt en un monstre mécanique géant doté d'armes, de canons provenant de carcasses de chars et d'avions. Le poussant à nouveau, Ethan fait une chute monstrueuse de plusieurs dizaines de mètres. Se remettant sur pied, il croise Chris Redfield encore une fois. Le meurtrier de sa femme est toujours vivant, mais l'heure de vérité est venue. Chris a décidé de dire la vérité à Ethan. Et il est temps aussi pour moi, modeste narrateur de cette histoire, de vous dire la vérité. Miranda a pris l'apparence de Mia. La vérité, c'est que Miranda a drogué et enlevé la véritable Mia entre le 3 et le 7 février. Et Chris Redfield, sur la trace de Mère Miranda, l'a compris. C'est pour cela qu'il a décidé d'agir. Ethan, ce soir-là, où Chris et son escouade attaquent leur maison, assiste au meurtre de Miranda et non de Mia. Mais après s'être fait mitrailler littéralement, Miranda a quand même survécu grâce à ses capacités régénératives. Dans le fourgon du BSAA, alors que l'escouade de Chris Redfield
Redfield conduit en lieu sûr Rose, Ethan et le cadavre de Miranda, cette dernière redonne vie à son corps et tue tout le monde sur les lieux avant de partir avec Rose. Voilà comment s'est déroulé l'enlèvement de la fille d'Ethan et voilà pourquoi notre héros se réveille en pleine forêt enneigée dans la nuit noire, seul à proximité du fourgon renversé. Maintenant que la vérité a été rétablie et que Chris a toujours été son allié, tous les espoirs pour Ethan ne sont pas perdus et Rose peut encore être sauvée. Miranda a commencé la cérémonie pour réunir les quatre parties de Rose. Grâce au calice des géants, ce vase sacré contenant les quatre bocaux et qui régule le Megami 7, elle va ressusciter Rose et fusionner le corps du bébé au Megami 7 pour que Eva revienne d'entre les morts. En attendant, Winters doit encore affronter Heisenberg. Tu n'es qu'un misérable cafard. Tu penses pouvoir m'affronter? Miam. Ce sera mon échauffement avant de tuer mon calme. Le combat face à ce monstre gigantesque de ferraille est d'une violence rare et avec un petit char mis au point par Chris, Ethan se débarrasse du dernier noble. Tu reverras ta fille dans l'au-delà. Le pouvoir de Rose sera à moi dès que j'aurai tué Miranda. Pas encore fini pour moi. Je dois la tuer. Les quatre enfants de Miranda sont morts, tous tués par Ethan. Il est temps pour la gourou de faire comprendre à notre héros ce qu'il se passe vraiment. Devant lui, Mia est là. Notre fille, elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Evelyn, la moisissure, Rose, l'enfant de Miranda, le Megami 7... Tout est lié. Mais pourquoi Rose est-elle si spéciale? De qui tient-elle son pouvoir? Ethan a quelque chose de particulier. Il est unique. Depuis le début, Mère Miranda l'observait, le regardait. Depuis le début, elle prenait l'apparence de cette vieillarde, la sorcière, pour lui parler. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose est une enveloppe idéale pour Eva, car en ressuscitant, cette dernière aura le corps de la petite Rose, remplie de moisissures et pouvant contrôler, manipuler et faire ce qu'elle veut des populations. En réalité, l'enfant d'Ethan a exactement les capacités d'Evelyn, dans Resident Evil 7, mais avec un contrôle total parfait de ses pouvoirs. Là où Evie, dans notre chapitre précédent, avait des limites évidentes dans la maîtrise de ses habiletés, Rose n'en a pas du tout. Capacité régénérative, pas de mutation anormale, capacité intellectuelle normale, normal, pas de fioritures, tout est parfait. C'est ce que les Connections ont compris et c'est pour ça que Miranda a vu tout de suite en Rose l'hôte parfait qui accueillera la conscience d'Eva. Ne t'inquiète pas, Ethan, ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megami 7. Mère Miranda coupe court à l'entretien et met fin aux souffrances d'Ethan. Elle lui arrache le cœur soudainement, sans l'ombre d'un doute. Notre héros s'écroule et la vie quitte son corps à une rapidité fulgurante. Tous ses efforts auront été vains. T'es dans le sang. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. «
Il est temps de neutraliser Miranda et de passer à l'attaque. Ethan est mort, mais Chris veut se venger et mettre un terme à tout ce délire moisi. Avec son escouade de choc, agissant en loup solitaire et marginal, contre les indications du BSAA, avec qui il a des relations tendues depuis les événements de Resident Evil 7, Redfield réalise une descente dans le village. Les Lycans sont au rendez-vous et du Mutami 7 émerge de toutes parts. Le village est en train d'être détruit totalement car de la moisissure se propage dans chaque recoin. La cérémonie pour ressusciter Eva dans le corps de Rose a commencé et le Megami 7 a besoin de suffisamment de puissance, sa moisissure doit se répandre le plus possible pour que les plans de Miranda aillent jusqu'au bout. C'est le chaos. Le village n'est plus qu'un champ de bataille, une gigantesque colonie de Mutami 7 est en train d'engloutir toute la zone. Le temps pour Chris est compté, il doit absolument trouver le Megami 7 pour le détruire et mettre fin à ce cauchemar. Après nombreux affrontements sanglants, il s'engouffre dans une grotte sombre sous le village. Il y est. Il se trouve devant le Megami 7, la racine. En détruisant la racine de la colonie fongique, tout cet enfer prendra fin. Ici Alpha, j'ai localisé le Megami 7. Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Explosif placé, la dernière chose à faire est de stopper et tuer Miranda, puis de détruire le village en désintégrant littéralement le Megami 7. C'est en continuant sa route dans la caverne que Chris découvre un des laboratoires de fortune de la chef du village, un lieu où elle réalisait ses effroyables expériences avec le Kadou. Mais dans ce laboratoire se trouve une cellule. Et contre toute attente, Chris tombe sur Mia Winters, la véritable, qui a été enlevée par Miranda quelques jours plus tôt. La mère de la petite Rose a survécu et elle doit maintenant fuir avec Chris. Mais alors qu'elle demande à ce dernier ce qu'est devenu son mari, Ethan, elle révèle dans la foulée le lourd secret qu'elle gardait pour elle depuis si longtemps. Révélation après révélation, voilà le tournant majeur de notre intrigue. Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Nous sommes dans les limbes, dans l'esprit d'Ethan Winters. Celui-ci se réveille, tandis que des rires d'une petite fille résonnent dans ce lieu froid, enneigé, glacé. Un monde flou, imprécis, un monde quelque part dans l'inconscient d'Ethan qui va révéler la vérité au grand jour. T'es vraiment trop bête. Evelyn se tient devant lui à quelques mètres. Un fragment de la conscience de la petite vit dans son esprit. Pourquoi arrive-t-il à voir Evelyn ? Cette vision a d'étranges similitudes avec celle de Jack Baker 3 ans plus tôt. Celle où Jack, décédé, lui demandait de sauver sa famille. Ethan, libère ma famille. Je t'en supplie. La vérité, c'est qu'Ethan Winters est mort. Tu es mort. Tué par Jack 3 ans plus tôt, alors qu'il venait tout juste de pénétrer dans la propriété des Baker. Sur les lieux, le patriarche l'avait intercepté et achevé en lui assénant un coup de pied fatal à la tête. Son cadavre traîné jusqu'à la maison principale, il revient à la vie, miraculeusement grâce à la moisissure présente sur les lieux. Il échappe à tout contrôle mental d'Evelyn, les effets causés par le Mutami 7 sont différents sur lui, et il devient alors un être humain mutant aux capacités régénératives exceptionnelles, son corps fait entièrement de moisissure, le Mutami 7 ayant reproduit à la perfection son ADN. Ethan Winters, depuis le début, était un être très spécial. Composé de Mutami 7, il peut accéder au réseau de conscience des êtres infectés et c'est pour cela qu'il a des visions très particulières de certaines personnes dans son esprit. Ça y est, tu comprends ? Ton corps, c'est rien que de la moisissure ! Sous le choc, Ethan ne comprend que trop bien ce qui lui arrive, ce qu'il est véritablement.
Il comprend aussi pourquoi sa fille Rose était si spéciale aux yeux des autres. Elle est la progéniture d'un homme fait entièrement de moisissures et de Mia qui a été infectée par le Mutamycète à un moment donné, bien que guérie. Voilà pourquoi Rose est si unique, car elle est composée, comme son père, entièrement de moisissures. C'est aussi grâce au Mutamycète dans son corps que la résurrection d'Eva peut avoir lieu aussi facilement. Mais tout n'est pas perdu, car grâce à ses capacités régénératives conférées par le Mutamycète, Ethan reprend conscience dans la roulotte du Duc. Sauvez. Sauvez. Rose. Jusqu'au bout, le Duc aura été un vrai allié pour Ethan. Dans un état lamentable, le corps de celui-ci est très faible malgré le fait qu'il se régénère. Mais quitte à ce que cela lui coûte la vie pour de bon, il veut tout faire pour sauver sa fille des griffes de Miranda. Rose mérite d'avoir une vie comme tout le monde, de vivre ce que devrait vivre une petite fille de son âge. Voilà le dernier affrontement, le dernier combat. Il se rend au lieu de cérémonie alors que du Mutamycète recouvre les lieux. Le Mégamycète a tellement grandi qu'il est en train, avec la moisissure, de dévorer tout le village, du moins tout ce qu'il en reste. Sur le lieu de cérémonie, sur l'autel, Miranda vient de rassembler les quatre parties de Rose, et quand le corps ne fera plus qu'un, le bébé renaîtra avec la conscience d'Eva. Eva ! C'est toi ! Oh ! Tu m'as tellement manqué ! Mais c'est un échec pour Miranda. Oui, encore un échec. Rose est trop puissante, même aussi petite. Elle a résisté et a utilisé son lien fort avec la moisissure et le Mégamycète pour empêcher la conscience d'Eva de venir. Et par conséquent, cela va affaiblir Miranda. Sous le comble du désespoir, celle-ci est attaquée au même moment par Ethan qui arrive dans son dos et un duel intense s'engage. Combat chaotique, apocalyptique, Miranda ne veut pas accepter qu'elle ne reverra plus jamais son Eva car Rose a été trop forte. L'affrontement est terrible, meurtrier, mais Ethan tire le coup fatal. Dans son dernier soupir, avant de se calcifier, Miranda hurle le nom de sa fille. Ethan sauve Rose, le bébé héroïque. Mais voilà, Miranda l'a eu aussi. Notre père adoré est en train de se calcifier. Et nous savons tous ce que la calcification signifie pour les êtres infectés par le Mutamycète. Chris arrive alors pour sauver Ethan, mais celui-ci est déjà trop faible et parvient, avec le peu de force qui lui reste, à confier sa fille à Chris. Dire à Mia qu'il l'aime, protéger Rose, veiller sur Mia et Rose. Telles sont les dernières volontés d'Ethan à bout de force qui s'éteint peu à peu et récupère le détonateur des mains de Chris. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Et merde! C'est lui qui mettra un terme à cet enfer, tandis que sa femme et sa fille seront en sécurité. La conscience de Miranda fusionne avec le Mégamycète et la racine se dresse en fond comme si elle regardait Chris, Ethan et Rose. Le spectacle est époustouflant. Chris retourne dans l'avion avec Rose et Mia l'attend. L'explosion se produit quelques instants plus tard. Des années après, Rose est adolescente.
Aujourd'hui, elle a décidé de venir se recueillir sur la tombe de son père bien-aimé, de son papa, qui a tout sacrifié pour le bonheur de sa famille. Salut papa. Joyeux anniversaire. N'oublions jamais Ethan Winters et ce qu'il a fait. Ce qu'il a donné à sa fille et à sa femme. Cette chose que même le mal ne peut pas atteindre. L'amour. L'amour d'un père, l'amour d'un mari. Car oui, quelque part, Ethan vit encore dans l'amour que lui porte sa fille. Ethan est et sera toujours là, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans l'atmosphère, sur le bord d'une route, et il veille à jamais sur Rosemary. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos histoire, toujours plus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Posez votre petit pouce bleu en guise de soutien. Et à bientôt, c'était Dexter.